Good morgen, allez, idem, les tutos aujourd'hui, le Lunishmat, Mourabi, Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Shalom, Benjamin, Ben Mazal, ainsi que les fautes, Rafael Zoum, Ben Chem, Aliyah, Mirod, Batrasida, Dov, Ben Yehudit, et Sarah, Bat, Betir, Rika, Betor, Shafon, Israël, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah. Côté de 5 minutes éternelles, nous étudions ma sacrée trouline, Periktet, Mishnah Gimel, Hamafshit, Babehema, Uvachaya, Batehora, Ubatmea, Badaka, Ubagasa, Lechatiyach, Kedeachiza, ולחמת עד שיפשיט את החזה המרגיל כולו חיבור לתומה לתמה ולתמה אור שעל הצבא רבי חנן בן אורי אומר אינו חיבור ואחרים אומרים חיבור עד שיפשיט את כולו. Bon, on continue avec le sujet de Touma Vetahara, de loi de pureté d'impureté, qui est le Perek 9 de Choulin. On est dans la Mishnah Gimel, jusqu'à la Mishnah Chet, ça va être des sujets, c'est un peu délicat, j'imagine que ça ne doit pas être très agréable, même pour moi à préparer c'est plus dur, pour moi j'aime bien, c'est un beau challenge, mais en tout cas, les gens qui n'ont pas l'habitude de ça, ça peut un peu faire peur. On va essayer d'être simple malgré tout. Cette fois-ci on va parler d'un autre sujet qui concerne le Maseret Uktin, dans le Seder Tarot et le Maseret Uktin. C'est un principe général, à savoir, on a parlé jusqu'à maintenant que les cadavres d'animaux, par exemple, véhiculent une impureté. On a parlé aussi que les peaux des animaux ne sont pas impures parce que ce n'est pas de la viande. Mais il y a une halakha particulière, c'est que tant que la chair elle est rattachée à la peau, eh bien, la peau, le contact avec la peau peut véhiculer l'impureté. Pas parce que la peau elle-même est impure, mais parce que tant que la peau elle est rattachée avec la chair, alors elle a un statut de yadot, littéralement de manche. Puisqu'on manipule la viande grâce à la peau, alors la peau, pour le moment, elle a le statut comme la viande. D'accord? Ça signifie quoi? Ça signifie concrètement, donc on va prendre un morceau de viande, un kazaït de viande, il faut un kazaït, la peau ne s'associe pas pour compléter le kazaït, un kazaït de viande n'est là, et il va y avoir un bout de peau qui va être attaché, encore pour le moment, et bien, si je vais moi déplacer la... Je vais même toucher la peau uniquement même, et bien, je vais maintenant devenir moi-même impur. Il y a aussi le cas de figure inverse, c'est que la viande elle-même, elle est pure, moi je suis quelqu'un d'impur. Et je vais toucher la peau. En touchant la peau, je vais rendre impure la viande. D'accord? Pourquoi? Parce que la peau, elle, c'est un yad, c'est un manche avec lequel on manipule la viande. Puisqu'on manipule la viande, d'accord? Dans ma Maseret Uktin, on parle longuement de ça. Uktin, ça veut dire les queues. Parce que bon, quand on va prendre une olive, alors on s'intéresse à savoir, je peux manipuler l'olive avec la queue, donc le contact avec la queue peut véhiculer l'impureté, c'est très compliqué, personnellement j'ai pas étudié cette macérette, un jour on fera des rôtes ensemble, et on découvrira ensemble, mais dans ta chaîne. En tout cas, pour le moment, vous avez compris le principe. Maintenant, on va maintenant pousser un petit peu le bougeon. Il y a, imagine un bout de viande, mais qui est rattaché à de la peau, mais à 5 mètres de peau pour un petit bout de kazaït. Alors est-ce que le contact avec toute la peau va véhiculer l'impureté ou non? Ouais, ou bien on va dire non, jusqu'à une certaine distance de la viande, c'est considéré que ça fait partie de la viande, avec là on manipule la viande, mais le reste c'est stam, c'est du superflu qu'il va falloir couper, qui n'a aucun rapport avec le bout de viande. Et bien c'est exactement ça le sujet de notre Mishnah, et le principe général il va être, selon le principe pour ce que l'on veut faire avec la peau, et bien ça va changer. D'accord? Vous allez voir. Amafshit babehema uvachaya. Celui qui dépaisse, il enlève la peau d'une behema, d'un animal domestiqué, ou d'une chaya, d'un animal sauvage. Batehora ou batmea. Qu'il s'agisse d'un animal pur ou d'un animal impur, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur de ça, c'est-à-dire soit c'est une viande qui est elle-même pure, qu'on peut manger, mais que moi je suis impur, donc on a certain savoir ce que j'entre en contact avec elle, ou bien que, au contraire, non, elle est impure, et moi je suis pur, est-ce que le contact avec la peau va me rendre impur ou non? Donc, badaka ou bagasa, qui s'agisse aussi de menu bétail comme de gros bétail. Alors, la chatillard, si tu dépaisses la peau pour en faire un chatillard, pour en faire un tapis, alors dans ce cas-là, kede achiza. On considère que la peau qui va véhiculer l'impureté, dans les deux sens, ça va être juste kede achiza, de quoi l'attraper. Ça implique en fait deux tfachim. Les deux tfachim, un tefar, c'est une poignée. Donc la distance de deux tfachim. Soit sur un bout de viande, vous avez par exemple un bout de viande comme ça, et bien vous avez encore deux tfachim autour, avec là on manipule. Tout le reste c'est du superflu. Donc si je touche là-bas, je ne vais pas devenir impur. Ou si moi-même je suis impur, je touche là-bas, je ne vais pas en impur la viande. Parce que c'est complètement. Ça n'a plus de rapport entre eux.
même si c'est concrètement rattaché. Parce qu'on ne manipule pas la viande grâce à ce morceau de peau qui est tellement loin de la viande. D'accord? Maintenant, il y a un cas particulier, c'est lorsqu'il va dépecer la peau pour en faire l'échémette, pour en faire une gourde. Ouais, aujourd'hui on fait des gourdes en plastique, mais à l'époque on faisait des gourdes en cuir. C'est fréquent dans la Gemara, ça m'a toujours intrigué comment est-ce qu'on fait pour coudre. Et bien j'ai découvert en fait que non. Et ce qu'on fait en fait, c'est que là, en général quand on dépèce un animal, eh bien on lui coupe depuis la tête jusqu'au bas du ventre. On lui coupe et puis après on retire la peau comme ça. Mais lorsqu'on veut en faire des gourdes en fait, eh bien on va dépecer sans couper en deux la peau. On va se mettre, c'est une technique beaucoup plus compliquée, comme ce qu'on a expliqué, qu'on va être confronté à d'autres problèmes. C'est beaucoup plus compliqué, mais on va se débrouiller pour dépecer la peau, pour laisser toute la peau comme ça enfermée de manière, j'imagine, parce qu'ensuite on va récupérer déjà une bonne base hermétiquement fermée et qu'on n'aura pas besoin de coudre. Après, ça va être plus facile pour ensuite pour manipuler le reste et en faire une gourde. D'accord? Donc c'est fermé naturellement, donc c'est imperméable naturellement. Donc maintenant, le dépeçage, quand c'est pour tout défaire d'un coup, alors là c'est beaucoup plus compliqué parce que si jusqu'à maintenant on a parlé, donc dans le cas précédent on parlait que j'ai commencé à dépecer, mais j'ai pas encore fini de dépecer et donc je me retrouve avec un bout pour le moment qui va me faire pour le moment 80 cm de peau qui est en train de pendouiller. Donc on a dit si je touche le bout de peau là-bas, il n'a pas de rapport avec la chair parce qu'on ne manipule pas la chair, la viande avec lui. À la limite, on peut même le couper, déjà l'utiliser. Il n'a pas de rapport. Mais lorsqu'on est en train de dépecer toute la peau d'un bloc, alors là, on est confronté à un problème. C'est qu'on a envie que, pour le moment, on a envie absolument que. Il n'est pas question de couper cette peau-là. Il faut la laisser toute d'un bloc. Et pour le moment, il y a une partie qui n'a pas encore été défaite. Et pour le moment, on n'est pas encore sur le point de finir de la défaire, parce qu'en fait, je vous dis tout de suite, le problème qu'il va y avoir, c'est justement, c'est la Mishnah qui va me dire, Hachiyafshit est écrasé. Lorsqu'on dépèce toute la peau d'un bloc, on est confronté à un problème, c'est ce qui est le chazé. Le chazé, c'est le torse. Et là-bas, pour dépecer, apparemment, j'imagine que ça doit être beaucoup plus délicat, ça doit être beaucoup plus collé, ça demande beaucoup plus de travail. Et l'usage, il est que d'y aller doucement, doucement, on commence à tirer un peu et tout ça, et puis après, on laisse la reposer. On laisse la peau reposer pendant peut-être 1 heure, 2 heures, comme ça, il importe, je sais plus où j'ai eu. Donc, tu fais ça, c'est sûr. On laisse reposer, et puis après, on revient encore une deuxième fois et on retire encore un petit peu. De ce fait, il s'avère que toute la peau que tu as déjà dépecée, même si elle s'est fait plus que 2 tfachim, tant que tu n'as pas encore passé la partie du torse, la peau, elle est encore bien collée à la viande et elle fait une partie intégrante, même avec la part qui est beaucoup plus éloignée de la viande. Étant donné que ce n'est pas quelque chose que tu peux couper et utiliser tel quel. D'accord? Tu veux tout laisser d'un bloc. Donc, même si tu vas te retrouver avec plus que 5 tfachim, 5 poignées par exemple de distance de la viande, tant que tu n'as pas fini toute la partie du torse, eh bien, c'est une partie intégrante. Et le contact avec la peau là-bas va impurifier la viande, ou si la viande est impure, elle va m'impurifier si je touche à la peau. D'accord? C'est ça ce qui est écrit. Donc, ulchemet, pour en faire une gourde. Ad sheyafshit et ad etechazé, jusqu'à ce qu'il va dépecer le torse. Maintenant. Pour dépecer, pour en faire une gourde, il y a deux manières. Soit on passe par le cou et on dépèce doucement, doucement et on tire, on tire, on tire. Ou soit on commence d'abord plutôt par le facile, c'est justement par les pieds. On retourne à l'animal. Et puis là-bas, j'imagine, je sais pas comment faire. On va découper d'abord autour du bas du ventre. Et puis on va commencer par là-bas à retirer la peau. Là, la partie est encore très facile tant qu'on est au ventre. Mais dès qu'on va arriver au torse, ça va être très difficile. Eh bien, Hamargil. Celui qui va le faire depuis les pieds, raglaim, celui qui va dépecer la peau depuis les pieds, à partir des pieds, eh bien, il faut qu'il sache, kolochibour le touma, tout reste encore une seule entité, ça reste un chibour le touma. C'est une seule entité qui va faire contact avec, pour véhiculer l'impureté, l'itamé ou l'tamé, qu'il s'agisse de rendre impur la personne qui va le toucher, ou le tamé, ou bien pour que la personne impure qui va le toucher va lui-même devenir, va lui-même rendre la viande impure. D'accord? C'est clair? Donc, jusqu'à, comme Barthélemy nous dit, jusqu'à qu'il va atteindre donc, le torse. On continue. Or, She'al Atzavar. La peau qui se trouve autour du cou. Maintenant, on reprend maintenant le cours naturel. On a fini de parler des dépeçages particuliers. Pour faire des gourdes, on parle d'un dépeçage classique. Et maintenant, on va parler de la peau qui se trouve autour du cou. Apparemment, la peau qui est autour du cou, elle est très simple, elle est très fragile. Très facilement, avec rien du tout, on la défait.
Comme ça, j'ai compris apparemment, tel que c'est expliqué. Hein, j'ai pas beaucoup tanné des vaches dans ma vie, mais en tout cas, comme ça a l'air d'être expliqué. Mais Atzmo Nifsha qui rapporte le Bartenoura. Le Fikach no Chibur, la Sotam Ufshat, Arishon Chibur. C'est-à-dire, puisque c'est une peau qui se défait directement, alors Rabbi Yochanan ben Uri va nous dire Rabbi Yochanan ben Uri Omer, et no Chibur, c'est pas un contact. Ça veut dire que finalement, le contact avec la peau, même si elle est concrètement rattachée avec la viande, eh bien, c'est pas elle ne fait pas contact avec la viande, même si elle est encore collée. Pourquoi? Parce que trop facilement ça se défait. Apparemment, même, je peux même rajouter, je ne l'ai pas vu écrit, mais j'imagine que c'est le même principe. On ne va pas manipuler la viande avec ça, parce que tu vas commencer à vouloir l'attraper pour déplacer la viande, elle va te tomber. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri. Et malgré tout, non, Vachamim Omrim, et Vachamim Nonzen que non, Chibour, c'est quand même un bon contact pour véhiculer l'impureté. Ad Sheyafshit et Kulo, jusqu'à ce qu'il va la dépecer entièrement, même la peau du cou. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, comme tout ça.